Tous et à toutes, tous les sportifs, les sportives, les gens qui n'ont pas envie de trop grossir durant ce confinement, trop grossir durant ce confinement, trop grossir durant ce confinement, ce serait bien con. Après tous les efforts qu'on a fait, merde, on est allé à la salle, on y est allé plusieurs fois par semaine pendant des mois et des mois. Et là, on laisserait tomber tout? Non. Donc on est là pour se faire une grosse séance ensemble avec Hakim. Maxence est là, coucou, salut Maxence. Sache que ça va parler 5 minutes, le temps que les gens arrivent, le temps que les gens se préparent. Salut à tous, je vois vos messages, coucou Dust, coucou Harry, coucou Nolan. Salut à tous, c'est reparti, vous avez compris comment ça se passe. Il y a Hakim qui va nous rejoindre, on va faire un live en direct, une séance de sport que je ne connais pas, que je vais découvrir avec lui. Et voilà, j'espère qu'on va souffrir. Voilà, vous me dites, j'espère qu'on va souffrir. Enfin, tu comprends, quand je dis souffrir, je veux dire prendre du plaisir. Je vais taper dans ma chaise. J'ai ma petite gourde, regardez. Didou, didou. C'est une gourde Trio. Trio m'avait donné cette gourde. Je l'utilise très souvent pour le sport. Car ça peut faire shaker également. Est-ce intéressant? Le petit Ok, vous êtes là, vous êtes nombreux. Quasi 10 000, ça fait plaisir. Salut à tous. Ah, Hakim vient de m'envoyer une demande. On maîtrise la technologie aisément, c'est le genre de choses. Maintenant, vous êtes au courant que la technologie... bah, pas grand-chose. J'ai envie... Voilà, il y a Carlito qui est en place également. Et le Vla. Hello. Ça va? Tu viens de faire une grosse séance, toi, déjà? Franchement, je viens de faire un 40 minutes flash. Franchement, il était assez puissant. J'ai dû changer de t-shirt parce que j'étais en nage. Mais on est là, on a quand même encore d'énergie, hein. T'as encore d'énergie pour enchaîner là, un deuxième truc? Mais bien sûr, j'enchaîne 10 séances même s'il le faut. Mais il est fou celui-là, il est fou, il s'arrêtera jamais. Dès qu'il s'agit de sport, moi je suis là. Comment tu vas? Bah bien, écoute, tranquille, j'ai bien dormi. Tu m'entends là? J'ai bien mangé, moi je t'entends très bien. Vous entendez tout, okay. Tout le monde? Ça m'entend? Ouais, si je m'aurais dit déjà s'il m'entendait pas, je pense très clairement. Oh top, dis-moi, t'as mangé quoi aujourd'hui? Eh bien, j'ai mangé du saumon avec une choucroute de la mer, si tu veux. Une choucroute de la mer? Faites maison, hein. C'est-à-dire c'est de la choucroute, mais pas sans la charcuterie, tout ça, avec juste du poisson et une petite sauce, mais qui est à base de lait de coco, je crois. Enfin, un truc hyper cool, il n'y a rien de gras. Ok, franchement, pas de dessert? Sucré? Non. Ah ben non. Pas jamais. Moi, je prends jamais de dessert. Enfin, rarement le dessert après les repas. Par contre, j'avoue qu'un petit 4 heures, tu connais, nanani, nanana. Bon, c'est normal. Le petit 4 heures, c'est celui qui fait plaisir avec les enfants. Mais voilà. Tu peux très bien te faire un petit 4 heures, elle-ci aussi, en te faisant plaisir. Mais oui, mais moi, j'avoue que j'ai un petit péché en ce moment avec mes enfants. C'est une banane avec un petit peu de miel par-dessus. Bon, ça va. Franchement, moi, ça me va. Hein. Ça passe. Rien hein. À dire. Ça passe. Tu peux même rajouter fromage blanc, un truc comme ça. Ça peut le faire hein, totalement. J'avoue. Non, mais là, je fais franchement gaffe. Mais par contre, je me muscle moins qu'avant. Bah parce clairement, que tu t'entraînes de manière moins intense qu'avant. C'est normal. Il n'y a pas de charge, t'as pas de poids. Je sais que t'as un petit penchant pour la musculation. Poids, hein. J'ai vite fait des poids juste avant le confinement, mec. La veille de l'annonce du confinement, je suis allé à Intersport et j'ai acheté, genre, j'ai 50 kilos de poids, j'ai des kettles, j'ai un peu de trucs vite fait. Ah bah quand même, alors tu peux maintenir le cap. Il faut que je le fasse, oui. Bon, t'es chaud aujourd'hui ou pas? Bon, je t'annonce tout bien de sûr. Suite, en fait, ça va pas te plaire. Ah non, quoi? Non, il y a des burpees. Non, il n'y a pas de burpees. Ça va pas te plaire, tu sais pourquoi? En fait, c'est très simple. J'ai suivi une logique pure et dure. La dernière fois, avec Carlito, je lui ai fait un spécial haut du corps, ok, sous forme de Tabata. Donc, qui dit haut du corps la dernière fois, dit aujourd'hui bas du corps. Donc, on va travailler les jambes sous forme de Tabata. C'est le même schéma de séance. Tu veux dire oui, ces je jambes-là sais. Ouais, elles sont puissantes. Hein. Franchement, elles sont puissantes. Hein. Regarde les mollets, elles sont là. Mais c'est très bien. Punaise, je te jure, on dirait ta jambe, je crois que c'est tout mon corps. Mec, ça a l'air bien bim. Mais alors, pour tous ceux qui se posent la question de savoir si travailler les jambes va nous faire forcément gonfler les jambes, non, c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé pour toi. Au début, tu me disais, ouais, Hakim, j'ai des grosses cuisses. Tu sais, moi, déjà, c'est un problème pour moi. Je ne veux pas trop travailler les jambes. Mais je t'ai dit, justement, fais-moi confiance. On va les travailler de sorte à ce qu'on va les tonifier, on va les rendre puissantes, mais pas forcément les développer en volume. Mais du coup, ça a fonctionné pour toi. Clairement, bah, j'ai perdu
deux ou trois tailles de pantalon. C'est que annonce, je suis passé du XL au M, hein, clairement. Bah, c'est super, tu vois. Je suis passé au M en haut, hein, très clairement. Et bah, c'est magnifique. Jambes, je ne sais vraiment pas, mais les jambes se sont. Bon, elles sont là, hein, t'as vu, c'est de la beuh. Oui, elles sont là, mais ça, c'est parce qu'il y a une partie aussi, c'est ton corps, hein, tu ne peux pas modifier la nature. Aussi, elles, elles sont toujours là, mais elles sont vraiment moins grosses qu'avant. Et pourtant, je les ai musclées, tu vois, je fais du squat. Après, je ne fais pas trop des charges avec, j'avoue. C'est des charges que je ne fais pas, je ne suis pas en charge, tu vois. Mais les squats. Mais il faut les travailler quand même. Ouais, de ouf. C'est très bien. Donc séance de jambes là. Donc séance de jambes, en fait, c'est très simple. Je récapitule la séance. Enfin, je vous la récapitule plutôt, je vous l'annonce. Il va y avoir 6 tabata. Sur les 6 tabata, 5 sont réservés aux jambes et 1 est réservé aux abdos sur la fin pour se faire un petit finisher sur les abdos. Il va y avoir plusieurs mouvements. À chaque fois, chaque tabata. Alors, pour ceux qui nous rejoignent et ceux qui ne savent pas ce que c'est un tabata, c'est très simple. C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. 8 fois. Et après, il y a 10 secondes d'un plat délicieux. Il y a 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause et 10 secondes d'un plat délicieux, c'est pas ça? Non, non, ça c'est ton le tabata dans la campagne où t'es là. Mais ici sur, sur Paname, non, non, c'est, ça reste le tabata classique. 20, 10, 20, 10, 20, 10, 8 fois, ça dure 4 minutes. Et à la fin de chaque tabata, on va avoir 45 secondes de break à 1 minute avant de rattaquer sur un prochain. Et il y en a 6. Ok, sache que les jambes, en tout cas chez moi, ça pompe un max d'énergie. Hein. Je sais, moi aussi, et je viens de sortir d'une séance, elles sont un peu fragilisées, d'autant plus que chaque jour, j'ai fait plusieurs séances, donc t'inquiète pas, tes jambes sont fatiguées, les miennes aussi, mais on va le faire quand même, non? Ben, bien sûr, je sais, je vois qu'il y a du... Carlito qui dit pas les jambes, il a pas du tout envie des jambes. Eh, Carlito, là, ça fait la dernière fois, le haut du corps commence pas à couiner là. Maxence, il est chaud. Hey, Maxence, c'est un bon soldat. Hein. Maxence, il est là maintenant. Il attend les séances de ouf. Il est trop là. Ça fait plaisir. Il m'a dit qu'il aimerait peut-être venir faire du coaching avec toi. Eh ben, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'ai vu qu'il y avait Alban Lenoir aussi qui est là. Alban, je t'embrasse. Mais lui, il est costaud, lui. Je ne sais pas si tu vois. Très, très bon comédien français. Ah auteur, oui, bien sûr, bien sûr. Alban Lenoir, c'est du lourd. Il est là. Il est fort. Il est costaud. Il est BG. Bon, et ben vu qu'on a une tonne de soldats et tous ceux qui nous rejoignent, on est quoi? On est 13, plus de 13 000 personnes, je pense qu'on va attaquer. Ouais, là, c'est chaud. Si vous êtes les 13 000 à faire du sport, les gars, la France va aller mieux à la fin de ce tournoi. On se fait un tout petit échauffement qui est très simple. Deux exercices pour l'échauffement et ensuite on attaque. Ok. C'est bon? Vas-y. Allez, let's go. On va se faire un échauffement qui est très, très simple. Ça va être celui du step. Je l'aime bien celui-là parce qu'il permet un petit peu de mettre en condition. On va se faire un petit step tranquille pendant 30 secondes. Ok. Ensuite, on va se faire monter de genoux et jumping jack. Et ensuite, on va attaquer. All right. Allez, courage. Mettez-vous vous aussi avec votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, peu importe. Ramenez-le. Traînez-le pour le live et on enchaîne. Ok, on part sur des petites montées de genoux. Petite montée de genoux. Avec McFly et son armoire du monde de Narnia. Alors toi, je te jure qu'elle elle donne dans un monde parallèle. Je sais pas si tu te souviens de la série qui s'appelait Sliders à l'époque. Si. Ah ben voilà. Il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on part sur des jumping jacks. Sur 30 secondes, c'est l'échauffement et après on va attaquer sur le premier tabata. C'est juste l'échauffement ça les gars, hein? Oui, c'est tranquille. Tranquille, tranquille. Il nous reste 15 secondes, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'était vraiment détente. Merci, on va attaquer sur le premier tabata. À bientôt. Non. Commence pas à les faire fuir. Ça commence maintenant. On va attaquer le premier sur un tabata où on va faire un round en squat et un round en fast step. Je vais baisser le son. Boum. Il va y avoir un round squat. Ouais. Ok. Et un round en fast step. C'est tout simplement ce mouvement où il va falloir que tu piétines le plus possible. Ok, okay. Un peu comme les exercices, tu sais, au football américain. Il step et boum, d'un coup, il part dans un sens. C'est le même principe. Un round, 20 secondes de squat, 10 secondes de pause. 20 secondes de fast step, 10 secondes de pause. 8 fois. Ok.
Ready? Ok, vous êtes chaud sur le live là? Allez! Regarde Carlito qui déteste les squats. Je sais, Carlito, t'as intérêt à faire travailler tes jambes. Sinon, je vais te chercher par la peau des fesses. Allez, je vous les montre. Commence pas à me chauffer. Regarde ça. Ah là, ça, c'est des belles cuisses. Il vous faut des belles cuisses. Oh là là, t'es mal, les cuisses. Ok, ready? Ouais. On attaque dans 5 secondes. 4, 3, 2, allez, 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 allez. 1. Let's go. Allez, spécial jambes aujourd'hui. On part sur des squats. Écraser le sol avec les talons. 8 secondes. 4 secondes. 3, 2, 1. Top. 10 secondes de pause. Et on va partir sur des fast steps. Le but du jeu étant de piétiner le plus fort et le plus vite possible. 3, 2, 1. Allez, let's go. On step, on step, on step, on step. Rapide, 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 rapide. Allez. On se bouge, on se bouge, on se bouge, on se bouge, on se bouge. 6 secondes. 5 secondes, accélérez tout le monde. 3, 2, 1, top. Oh. 10 secondes de break. Il est bien, celui-là. 3, 2, 1, squat. Allez, on est reparti sur le troisième round. Et il y en a 8 en tout. Pensez à votre respiration. 5 secondes. 3, 2, 1, top. Break. Des squats, amis. Ça dame, ça dame. 4 secondes. 3, 2, 1. Allez, let's go. On step, on step, on step, on step, on step, on step. Rapide, 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 rapide. Imaginez quelque chose que vous n'aimez pas. Il faut le piétiner à fond. Allez. 4 secondes. 3, 2, 1. Top. Ok, on respire. Hakim! Ouais! Prochain squat à chaque fois qu'on est en bas, Sadab! Allez, vas-y! 3, 2, 1, let's go! Mais moi, j'ai jamais fait de dab! Tu veux que je te le fasse? Bouge ici! Bouge ici! Allez, let's go! Ah! Ah! Avant, avant, là. Vas-y, je te le fais en même temps! Boum! 3 secondes! Et top! On écrase le sol sur le sixième. 4 secondes. 3, 2, 1. Allez. Imaginez quelque chose qu'il faut écraser au sol. Piétinez-le. Allez, on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. 6 secondes. 3, 2, 1. Stop. On break et on part sur le fast step. Avant dernier round. Sur le squat, pardon. 3, 2, 1. Let's go. Allez, on accélère la cadence. On monte, on descend, on monte, on descend. Écrasez le sol avec les talons. Pensez à votre respiration. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Il nous reste le dernier, dernier. Mais là. Fast step, si. Oh putain. Allez, pensez à la tête de McFly et on l'écrase au sol. Let's go. Ah. Allez, on envoie, on envoie, on envoie, on envoie. On court sur place. Écrasez-moi ce virus, exact. 7 secondes. C'est le moment où il faut être à 200%. 4, 3, 2. Ah, et ça. Ok. Ok. Premier petit avata, tranquille. Mise en chauffe. Effectué. On va se prendre. Oh, vache, ouais. 45 secondes de break. Je mets le chrono sur 45 secondes. Voilà. Et on va attaquer ensuite. Le prochain, ça va être des fentes. Et après, je vais vous montrer l'exercice, un exercice un peu différent. Je vous montre pendant que vous faites votre pause. Le premier, ça va être des fentes. Donc à chaque fois, vous switchez, ok?
de jambes. Et le deuxième, vous allez vous mettre en position de pompe, ok? Et vous ramenez pointe de pied, comme si vous alliez ramener vos genoux proches de vos coudes. Et vous revenez, et vous ramenez, et vous revenez, et vous ramenez, ok? Regarde mon visage à l'annonce de ça. J'ai l'impression que c'est moi qui t'ai piétiné le visage sur l'exercice précédent et qu'il est comme ça maintenant. Ah punaise, ça te va bien la chirurgie? Ouais. Eh, hey, t'as entendu le chrono là, il vient de sonner, je sais pas si t'as entendu. Oh putain de merde. Allez. C'est quoi déjà le premier? Le premier c'est des fentes. Premier c'est des fentes. Let's go tout le monde, on repart sur un nouveau Tabata. On attaque. On est reparti les gars. Dans 8 et secondes. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, fente. Vous switchez à chaque fois. Je me mets sur une coupe latérale pour que vous puissiez voir. Allez, 10 secondes. On switch à chaque fois les jambes. Le dos bien droit. 3, 2, 1. Top. On va se mettre au sol. On va mettre les mains en position de gainage. 3, 2, 1. Et vous ramenez pointe de pied. Vous ramenez les genoux au niveau des coudes. Allez. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 7 secondes. 4, 3, 2, 1. Et top. Oh, il fait mal celui-là. Il tue celui-là. Attends, j'arrive. 4 secondes. Rapide, rapide. 3, 2, 1. Allez, faites-le avec moi. Let's go. On part sur des fentes. Ça commence à chauffer là les gens. Eh ouais, on est même pas à la fin du deuxième. Deuxième Tabata. Il reste 2 secondes. Top. On respire. On se remet au sol. On va attaquer le quatrième round. Sur 8. 4 sur 8. Ready? Let's go. Allez, 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 allez. Courage. Ramenez le plus possible. 2 fois vos genoux à vos coudes. 6 secondes. 3, 2, 1, top. Oh la vache. On est à la moitié. 5 secondes. Ça tient sur le lac, vous tirez mieux quoi. Allez, accrochez-vous, on est reparti. Allez. 14 secondes. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Cinquième round. Accrochez-vous tout le monde, accrochez-vous. Allez, on tient, on tient. 3, 2, 1, let's go. Ouh, 10 secondes. 3, 2, 1, top. On se remet debout. Il reste 2 rounds. 3, 2, 1, et on est reparti. Allez. Il faut éliminer tout ce que vous avez mangé. Faites travailler votre cœur. Pensez à votre respiration. 5 secondes. 3, 2, 1, top. On respire et on repart. C'est le dernier. Ah, position au sol. J'arrive même pas à parler. Let's go. Allez. Vas-y, McFly, envoie. C'est le dernier. Vous ramenez vos genoux à vos coudes. 5 secondes. Et top. Bien joué. Oh les gars. On s'accroche. Il était chaud celui-là, non? Ah, il était pas si facile. Bah, forcément, j'augmente un petit peu. J'augmente un petit peu.
Ça va? Nickel. Vous me faites me tuer avec vos fils. Ok, on respire. Attends, mais j'ai un truc à faire, Hakim, salut. T'as quoi à faire? C'est le buisson des Simpsons. Elle est pas mal, celle-là. Comment ça va de votre côté, là? Allez, là, faites voir en commentaire un peu plein de chaud, Mathieu. Voilà, ça fait plaisir, merci. Ah ouais, c'est bien, ça. Carlito, il souffre un peu, je crois, au niveau des bœufs. Ah, c'est normal. Les bœufs, je n'aime pas trop ça, je crois. Pourtant, elles sont bien, tu sais, elles sont fines, ces bœufs, elles sont bien. Je kiffe ces jambes, quoi. Tu sais, des fois, je rêve de ces jambes et tout. Ouais, moi aussi, ça t'est arrivé toi aussi? Ouais, de ouf. Putain, on a le même rêve, on a dû se rencontrer dans le rêve. Ouais, c'est ça sûrement. Bon, je vous explique le prochain pendant que vous faites votre pause. Il va y avoir Tabata où on va faire un round sur la chaise, ici, et l'autre sur le prochain. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une chaise ou pas? Ou c'est trop compliqué? C'est pour faire quoi? Pour faire des steps? Ouais. Si c'est trop. Step, regardez, je vous donne deux solutions. Regarde, j'ai ça, moi. Si vous pouvez, vous faites ça. Ah ouais. Et si vous n'avez pas de chaise, c'est pas grave. Ouais, vous faites des fentes sautées. Ok. Ok, vas-y, je vais faire des fentes. Ok. Donc il y a chaise contre un mur et ensuite fente sautée. Attention, fais gaffe parce que mec, dans les commentaires, ils sont en train de demander la moins de jambes, ils sont en train de faire une conspiration anti-jambes. J'ai annoncé que c'était les jambes. Hein. La dernière fois, vous avez pas commencé à chouiner quand j'ai dit que c'était le haut du corps. Ah oui, faut travailler le tout. Vous ne voulez pas des jambes aussi délicieuses que celles-là? Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas des jambes comme ça. Ça vous dit pas? Oh la vache. Allez, courage. Ça, les jambes. Pour ceux qui ont des doutes, ça brûle tellement d'énergie. Ça vous fait perdre encore plus de calories. Bien évidemment. Et en plus de ça, pour les filles, ça travaille les fesses. Et même les gars qui ont les fesses plates, c'est toujours intéressant d'avoir des fesses. Hein. On va décider, est-ce que j'ai les fesses plates? À vous de dire si j'ai les fesses plates. Non, ça va, elles sont bombées. Un peu vite fait, hein. Ah, ça va. T'as un beau petit popotin. Bon, on attaque? Ah, ça me fait quelque chose, arrête. Allez, je suis chaud. Je suis chaud de ouf. Allez, let's go. 10 secondes. On se met contre la chaise, contre le mur. Contre l'armoire de Narnia. Et let's go, c'est parti. 20 secondes. Ouais, je te disais. T'es en train de discuter avec qui là? Ouais. Mais ce docteur Raoult, c'est quand même troublant quand même. Docteur Raoult. Excuse-moi, je suis fiabiliste pendant ma chaise. Et je vois ça. Top. Break. Vous prenez soit un banc ou une chaise. Vous faites des fentes en jumpant, soit vous partez en fente sautée. Let's go! Allez, fente sautée pour moi. Allez, vas-y, fente sautée. Hey, McFly, tu vois, t'as déjà vu le film Independence Day? Bien sûr! Tu te souviens du docteur, là, le docteur, le chercheur fou? Il ressemble pas au docteur Raoul. Mais mec, attends. Laisse-moi finir mes fentes sautées, je te raconte. Top! Break! Il y a un compte qu'il faut suivre absolument qui s'appelle Crustel. Et ils font des images drôles. Et ils ont fait justement ça. Let's go! Non, jure, ils ont fait ça. Mais oui, de ouf. Ah, débat. Exactement ça. On va voir à l'issue du Crustel, vous allez voir. Je vais regarder. 8 secondes, position de chaise. Ah non, mais 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Top! On repart sur les fentes sautées. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Dix secondes. Allez, on s'accroche. 3 secondes, tout le monde. 2, 1. Top. On repart sur la chaise. Ah, c'est très dur les trucs sautés là. Je sais. Let's go. T'as des pommes de terre sautées. T'as des pommes de terre sautées. 15 secondes. Allez, accrochez-vous. On est au 5e round sur 8. C'est une pénurie de masques. Je propose une pénurie de masques. Mais du coup, ça marche avec un café. Mais avec qui il parle celui-là?
Je suis au socialiste pour ma chaise. Ah, ok. Socialiste, ça te permettra de tenir. 3 secondes, 2, 1, let's go. On est au 6e. 6e sur 8. Allez, ne perdez pas la cadence. 8 secondes. Allez. Ouh. 3, 2, 1, stop. Oh. On part sur la chaise. Avant-dernier tour. Chaise. 3, 2, 1, let's go. Les gars, comment ça va? Putain, les bombes, les trucs sautés là, c'est ouais, les bombes sautées, je sais, c'est chaud. Ouais. Ok, on respire. On vient de terminer notre 3e. On est arrivé à la fin. Il nous reste encore. Il nous reste nickel. Encore 3 Tabata. 3 Tabata. Ouais. 3 Tabata. Ah en abdo. Ça va, on est plutôt bien. Regardez, ils sont chauds. Ils écrivent Easy Carlito, il est bouillant. Hakim, on t'a un peu moins entendu sur la dernière là. En quoi? T'as dit quoi? Là, on t'entend mieux, mais on t'a moins entendu pendant le. Enfin, tu parlais moins fort, c'est toi. Mes écouteurs, ils ont plus de batterie. Je suis parti les recharger. Ah, ok, ok. Tout à l'heure. Ok, je vous montre les exercices sur le prochain. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'écoule? Non, non, il y a ma femme qui rentre. Vas-y, passe. Ok, je vous montre. Je vais faire un coucou aux gens quand même. Coucou. Pour le prochain exercice, il va falloir croiser, squat. Tu entends? Croiser, squat, indéfiniment. Croiser, squat. Et ensuite, sur le prochain, montée de genoux mais dynamique. Vraiment rapide. Ok? Ça roule. Je vous laisse encore quelques secondes. Excuse-moi, il y a mon scooter. Et ensuite, on voit. Ok. 10 secondes. Croisé, pas squat. Il veut pas squat, Carlito. C'est mon chat, c'est Figolu qui vous embrasse. Les vrais savent que c'est Figolu qui est là depuis longtemps, depuis des années. Figolu. Ça va les couilles de moi, évidemment, comme les chats en général, qui ne rendent pas l'amour que tu leur donnes. Ok, let's go. Allez. Pardon, Figolu. Ok. 4 secondes. 3, 2, 1, let's go. Croisez, squat. Croisez deux fois. Et vous partez en squat.
Allez, les gars! Ça va, ça tient ou quoi là sur le live? T'as dit quoi? Je demande si ça tient aux gens, ça va, ça tient, ça tient. Non, rien, j'ai plus mes écouteurs. Allez, allez, allez. Croisez, croisez, squat. Tiens bon. Il y a mon armoire qui s'est ouverte. 5 secondes. Et stop. Salut, je quitte ce monde, salut à tous, merci. T'as dit, tu vas où là? Ramène tes fesses. Viens ici. Monte les genoux. Let's go. Allez, on s'arrête. 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop. Ah! Il nous en reste deux. Franchement, comme ça. Au top. Ah, il nous reste deux sabbats encore. Un pour les jambes et un pour l'abdos. Ok. Ok, je suis chaud. Essaye de remettre les écouteurs pour voir si je peux t'entendre. Voilà mon visage. J'aimerais bien voir vos visages là. Sans effet, évidemment, sans filtre. Ce serait fou. Tiens, on va faire un petit test. Quel personnage de la Reine des Neiges je suis? Si ça marche, pas sûr que ça marche. Attends. Attends, on va voir quel personnage ouais, de la bon. Reine des Neiges je suis. Ah. Mais marche, c'est un sport national chez vous de gagner du temps de pause. Pas du tout, c'est ouf ou quoi? Putain, j'arrive pas à savoir. Ah, regarde, tout de suite, il a chaud, commentaire. Accrochez-vous. Bien sûr. Il nous reste encore un tabata jambes et un tabata abdos. Ok. Chaud, mais ça ne marche pas les filtres. C'est dommage. Clairement. On attaque? Ouais, enfin, tu sais, on peut discuter. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble, tu sais, de tes projets et tout. Non, mais mes projets, je suis en train de les concrétiser. C'est faire des lives avec vous, voilà, c'est tout. Ah ouais, ok. J'avoue, ouais, pardon. Moi, je réduis à... Ok, regarde. Je vous montre l'exercice. Respire encore un petit peu. Vous allez devoir vous mettre au sol, à genoux, et vous mettre debout. Enfin, en position de squat. Au sol, à genoux, position de squat. Oh, bah, attends, on dirait les pompes militaires, mais avec les jambes. C'est exactement ça. C'est les pompes militaires pour les jambes. Et le deuxième exercice, il a vocation à travailler les fesses. Vous vous allongez par terre et il est très simple. Vous allez juste pousser sur vos talons pour rehausser les fesses et vous serrez les fesses. Ça travaille, okay. Ça travaille les fesses. On est bon? Vas-y, je suis chaud, je suis bouillant. Alors, let's go, on attaque dans 10 secondes. Allez courage, allez. Dernier exercice allez. Pour les jambes. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. C'est pas vrai, je suis très fort. Allez, c'est vrai que t'es fort en plus. 3, 2, 1, let's go. Au sol,
Et ensuite en position squat, direct. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est sournois. Il est sournois celui-là. T'as vu? 6 secondes. 3, 2, 1. Et top. Mettez-vous au sol. 5 secondes. Et on part sur du bridge. Et let's go. Vous avez juste à pousser avec vos talons et vous rehaussez vos fesses. Serrez bien les fesses. Vous devez sentir les fesses travailler. 6 secondes. 3, 2, 1, top. Oh. On repart sur les pompes militaires façon jambes. Eh hey mec, je ne travaille jamais mes fesses, c'est chelou. T'as vu? Allez, c'est parti. Allez, courage, courage, courage. Changez la jambe d'appui si vous le souhaitez. 6 secondes. 3, 2, 1 et top. Au sol. Mec, ça brûle les fesses. Bridge. T'as vu? Les fesses, ça tombe très fort. Hein. C'est normal, c'est le but de l'exercice. C'est très bien ça, ça titule les temps. Allez, c'est parti. Mettez les genoux sur l'extérieur et vous poussez avec vos talons en serrant les fesses quand elles arrivent en haut. Secondes, c'est très sensuel comme exercice. 3, 2, 1, top. Oh la vache, ça fait du bien un peu de love dans les séances. Hein. T'as vu? L'amour, ça n'a jamais fait de mal. Allez, let's go. On repart. Dix secondes. 3, 2, 1 et top. Mettez-vous au sol, on repart sur les fesses. Il nous reste 3. Allez, vos captures d'écran, prenez vos captures d'écran là. C'est le moment où il faut bouger le bassin. Let's go. On tient bon, on pousse vers le haut. 6 secondes, c'est ton meilleur profil celui-là, McFly. 3, 2, 1 et top. On repart. Pompe militaire façon jambes. Quoi, il en reste 2, c'est ça? Il en reste 2, exactement. Allez. Il reste 10 secondes. 3, 2, 1, top. On se met au sol. Au sol, au sol, au sol. C'est le dernier. C'est le moment où il faut envoyer le love. Envoyer de l'amour maintenant. Let's go. Dix secondes. 5. 4, 3, 2, 1 et top. Ok. J'ai donné sur la fin. Dernier pour les abdos. J'ai donné comme un célibataire sur la fin. Ah, moi aussi, franchement, j'étais en confinement pur et dur en célibataire dans ma chambre. Et j'ai tout donné. Oh la vache, ça transpire. Je sais pas si ça transpire chez vous. Ouais, moi je transpire. J'ai le. Putain, toi, tu as la deuxième séance là. Ah ouais, c'est ma deuxième là. Mec, je vais lire un commentaire au hasard. McFly, c'est vas-y. Un monstre, il est trop fort. Mec, c'est fou le hasard. C'est fou. Mais mec, c'est même. Ouf. Incroyable. Attends, je vais lire le deuxième au hasard. Hein. Hakim, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, mon Dieu, son corps me fait rêver. Punaise, au hasard. C'est incroyable, mec. C'est fou. C'est fou, hein, ce qui nous arrive. Putain, mais le hasard, il est trop stylé, là, c'est pas le. Ah là là. Bon, tenez bon, hein. Ne relâchez pas la pression parce qu'il nous reste un dernier. C'est... Attends, attention, attention. Il y a Mathéo qui nous dit que c'est pas assez dur. C'est pas assez dur. Mathéo, je suis sûr et certain que si j'étais avec toi dans ton salon, je verrais quelques exercices ou quelques secondes que tu esquives à droite, à gauche.
Ah, attention, voilà, n'esquivez pas, les gars. Putain, je l'ai un commentaire au hasard, bouge pas. Je l'ai un commentaire au hasard, t'es trop beau, McFly. C'est Kiara, putain, mais c'est fou, là. Je te jure. C'est hein. Dingue. Attends, il a dit quoi? Il y a un mec qui dit. Il y a un mec qui vient de dire, je viens d'arriver, j'ai fait un tapata, je transpire. Un tapata, c'est un sandwich libanais, ça, je crois. Avec supplément hummus. C'est ça. C'est ça, c'est bien, il a de la chance, hein. C'est une autre émission. Putain, attends, bouge pas, j'ai un commentaire au hasard. Timéo qui dit McFly, t'es trop musclé. Putain, non, mais attends, tu dois te tromper parce que moi aussi, je viens de voir Hakim, t'es beau, Hakim, t'es super, Hakim, t'es magnifique. Ah ouais, tu dois te tromper, je pense. Je crois pas. Carlito qui nous dit quelle est la différence entre un meuble. Elle est là, la différence. Oh. C'est ça, hein. La différence entre un meuble, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est tout. Carlito, réponse absolument. Ok, putain, je lis des commentaires au hasard. C'est trop beau gosse, mon gars. Merci, Simon. Putain, mais c'est fou le hasard, mais il est trop bien fait, gros. C'est ouf. Bah, je te laisse, Simon, hein. Pas de soucis. Hey, on attaque sur le dernier ou quoi? Moi, je suis bouillant. T'es ouf. Allez, le dernier exercice, je vous le montre. Ça va être un spécial abdo. Il va falloir, celui-là, je l'aime bien. Il va falloir tout simplement ouvrir, fermer. Je vous mets ici, vous ouvrez. Oh. Et vous fermez, ok? Et à la pause, il n'y a pas de pause. C'est une balade. À la pause, il n'y a pas de pause, c'est ça? Voilà, à la pause, vous allez devoir rester en position. Je l'aime bien celui-là, il fait mal. Donc c'est parfait pour nous. Ok? On ouvre, on ferme. Et ensuite, à la pause, il n'y a pas de pause. Ah putain, il est incroyable celui-là. À la pause, il n'y a pas de pause. On s'en souviendra. Allez, let's go! 10 secondes, voilà. Mettez-vous en place. 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et let's go. Vous ouvrez et vous fermez. Les jambes sont décollées du sol, bien évidemment. Jambes tendues. 10 secondes, 6 secondes. C'est le dernier tabata, accrochez-vous. 3, 2, 1, top. Position de banane, direct. Putain, mais mec, c'est pas possible. Jambes tendues, bras tendus, serrez à fond. Et let's go, on repart. Mais non. Vous ouvrez et vous fermez. Allez, mais t'es à où? C'est parti. On peut pas faire sans pause. Et après, ça. Chacun va aller manger des pots de Nutella, des papiers brossards. 5 secondes. 3, 2, 1, stop. Banane. À la pause, il n'y a pas de pause, putain, il m'a fait. À la pause, il n'y a pas de pause. 3, 2, 1, let's go, on enchaîne. Allez. C'est pour travailler le ventre là. Pour avoir le ventre plat cet été. 10 secondes. Si jamais on sort du confinement avant l'été. 6 secondes. 4, 3, 2, 1, banane. Jambes tendues, bras tendus. Vous gardez le bas du dos plaqué au sol. 3, 2, 1. Allez, on enchaîne. Putain. Allez. On ouvre et on ferme. Penchez-vous en arrière si jamais ça devient un peu trop dur. Oh. 6 secondes. 3, 2, 1. Top. Banane. Allez, serrez à fond les abdos. Engagez le nombril. Collez le nombril sur le bas du ventre. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Cinquième. Allez, ne craquez pas. Ouh, serrez les abdos. C'est normal si vous sentez les jambes. C'est normal si vous sentez les jambes. On les a travaillées juste avant. Top. J'ai l'impression d'accoucher. De la banane. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression d'accoucher, putain. Bah, à mon avis, ça doit être encore pire que ça. Hein. Ah ouais, c'est... Allez, on tient. Et let's go, on repart. Allez, sixième round. On ouvre et on ferme. Allez, courage. 8 secondes. Ah. 4, 3, 2, 1. Banane pour tout le monde. Oh, bâtard.
Tenez bon la banane, 3, 2, 1, et let's go, on enchaîne. Allez, c'est l'avant-dernier. On est au 7e round. 7 secondes. Ouvrez, fermez. 4, 3, 2, 1, top. C'est la dernière pause qui n'est pas une pause. 5 secondes de banane. 3, 2, 1, allez, on enchaîne. McFly, c'est le dernier, c'est le dernier, c'est le dernier. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Il reste 10 secondes. 8 secondes. On tient, on tient, on tient. 4, 3, 2, 1, et c'est fini. Ouh oh oh bien joué, tout le monde. Oh la vache! Oh la vache, le quoi! Mec, le pas de pause, il est bas, il est barge. Ah, il est dur, hein, je sais, le pas de pause, il est assez traître. Oh, je sais. Sur la fin. Oh. Eh ben, on a tenu, hein. Eh. On a quand même fait 6 Tabata avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec 13 exercices différents. Putain. Bien, c'était ciblé sur les jambes, je vous l'accorde. Aujourd'hui, on n'a pas travaillé le haut. Pourquoi? Parce que la fois dernière, avec Carlito, on a travaillé le haut. Donc aujourd'hui, bah, malheureusement, tu t'es collé le bas. Ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Il en faut pour tout le monde. Hein. C'est trop bien, merci Hakim. Putain, c'est trop bien, c'est créatif. C'est... Ça prouve qu'on peut faire vraiment des folies avec aucun matos. Et exactement. Même pas beaucoup. T'as vu, en 30 minutes, tu peux quotidiennement te faire voilà, te défoncer et en même temps vraiment se préparer déjà évidemment pour l'été et pour rester en bonne santé. Donc bien, exactement. Ouais, Hakim. Sur mes. Avec tu grand m'as tué, plaisir, Hakim. Avec grand plaisir. Attends, avec grand plaisir. Un peu d'eau. Je prends un peu d'eau et on fait 2-3 questions, ça te va? Ça me va. Pour le prochain live, au cas où, si vous vous posez la question, en tout cas, le live avec La Source, ça sera après-demain à 15h sur le compte de La Source. Et pour le live de demain, je vais voir avec Carlito. Normalement, il devrait y en avoir un, sauf exception. Mais en tout cas, on vous confirme ça en story là, dans les prochaines minutes. Mes abdos font grève actuellement, nous dit Carlito. Totalement. Ils sont en confinement. Merci Hakim. L'exercice militaire des jambes, c'est une dinguerie. Étirement avant, ouais. Il a dit Raph, il veut des étirements. Tu veux, vas-y, viens, on en fait un peu. Allez, ouais, moi, j'en fais jamais, je veux bien quelques trucs. Allez, étirement. Ok, allez, go. Regardez, on va se faire un mouvement simple. Vous me voyez là? Je suis de. Ok, vous allez tout simplement vous mettre dans cette position et vous allez essayer d'aller toucher votre pointe de pied avec votre main. Comment t'expliquer? Ouais, bah pas besoin d'expliquer, c'est visuel, hein, je le vois. Eh, hey, mais mec, en vrai, regarde, j'y vais, bon, je l'appuie, mais c'est, j'y vais. Hein. Allez, tenez bon, il faut que vous sentiez que ça tire un peu sous la cuisse. Et ensuite, on va tout simplement changer de côté. Vous allez aller étirer une jambe, puis l'autre. Essayez d'aller chercher votre pointe de pied avec le bout de vos mains, le bout de votre main. Respirez, essayez de ralentir votre respiration un petit peu. On va se faire un autre exercice. Vous allez vous mettre en position squat. Je me rapproche un petit peu. Et c'est très simple. Avec vos coudes, vous allez les positionner sur l'intérieur de vos genoux. Vous allez joindre vos mains et vous allez pousser vos genoux avec vos coudes. De sorte à ce que vous sentez que ça tire. Il est bien celui-là. Ouais, il est bien. Vous poussez avec vos coudes sur l'intérieur de vos genoux. Faut que vous sentiez que ça tire au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Putain, ça joue de ouf, je ne connaissais pas du tout ce mouvement. Tu vois, il est pas mal, hein. Oh. Ok, on va se mettre debout. C'est très simple, vous allez mettre une jambe devant l'autre. Ok. Vous allez étirer le plus possible votre colonne vertébrale vers le haut. Et ensuite, vous allez chercher le bas. Et ça va tirer derrière l'une des deux jambes. Et ensuite, on remonte. Ah ouais. Pareil, on vient essayer d'étirer le plus possible sa colonne vertébrale. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on expire en venant aller chercher la pointe des pieds. Et on revient en déroulant petit à petit le dos. On repart, ah ouais. On se refait une dernière fois. On va faire 3 fois par jambe.
Vous gardez la même jambe croisée devant. Les deux jambes sont croisées. On tire. Et on va chercher devant en allant chercher la pointe des pieds. Et on remonte tout doucement en déroulant. Cette fois-ci, on décroise les jambes. On change. Vous mettez l'autre jambe devant. Ici, vous allez chercher encore une fois à tirer, à tirer, à tirer. Et cette fois-ci, ça va tirer derrière l'autre jambe que nous n'avons pas encore fait. Et vous remontez tout doucement en déroulant. Ceux qui nous rejoignent, on a une petite séance d'étirement là. Vous avez raté le sport, mais on s'étire, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien, ouais. On reprend, on inspire, on inspire, on inspire. On se le fait une deuxième fois. Et on va chercher la pointe des pieds. En remontant, en déroulant petit à petit. Et une dernière fois pour faire trois fois. On inspire le plus possible. On inspire, on inspire, on inspire. Et ensuite, on vient chercher la pointe des pieds. Et on remonte tout doucement. Ok, okay. On va faire un dernier petit exercice. Il est très simple. Vous allez chercher votre pied et vous allez tout simplement vous mettre dans une position où avec votre main, vous allez appuyer sur votre genou ici. Voilà. Ça fait un peu yoga, je vous l'accorde. J'avoue. Mais il faut tout simplement sentir que ça tire un petit peu. Ben, il faudrait qu'il y ait un mec qui fasse du montage qui enlève ma jambe là. On croirait que je suis en grave. C'est grave. On part à vous capture. Et boum, on essaie d'appuyer un petit peu sur le genou. Oh, mon équilibre, putain de merde. T'as trop de muscles. Il sait quand même parler. Bah oui. Ok, un dernier, promis. Hop, on vient choper la jambe. Celui-ci, c'est un classique. Et vous venez tout simplement tirer votre jambe pour sentir une tension sur le haut de la cuisse. Une fois qu'on a fait la première, on fait la deuxième sur quelques secondes et on aura terminé. Eh ben voilà. Ok. Deux exercices d'étirement. C'est bien, c'est bien. Ah oui, ça fait toujours du bien. Ok. Bon bah les gars, merci à tous d'avoir suivi ce live, ça fait très plaisir. On continue à en faire. Vous êtes chaud, tout le monde est chaud. Un jour sur deux, genre avec Raph. Alors jeudi, on pourra pas en faire parce que jeudi on live toute la journée, tu sais. On fait un gros marathon pour les dons, donc un marathon pour les hôpitaux de France. Donc j'espère que vous viendrez, vous serez nombreux, c'est sur la chaîne toute la journée. Il y a du monde, mec, on a du guest de malade. J'ai vu ça, j'ai vu. Il y aura Gad Elmaleh, il y aura Roméo Elvis, il y aura évidemment Squeeze, Mister V, Cyprien, Natou, ça va être le bonheur. J'ai vu Donald Trump aussi, non? Ouais, il vient normalement, il passe, ouais. Il passe normalement. Trop bien. Allez, vas-y, faut voir s'il y a des petites questions là pour toi. Vas-y, on voit. Alors. Ok. Allez, on commence simple. Comment avoir un ventre plat? Alors, cette question, ça mériterait 4 heures de réponse, mais c'est très simple. Oui. Je vais te donner les clés. Principalement, le ventre plat. Alors, sauf contre-indication médicale ou problème que chacun pourrait avoir au cas par cas. L'idée, c'est très simple. C'est une alimentation qui soit saine. Ok. C'est la base des bases. C'est bon. Ok. Ensuite, c'est très simple. Après. Une alimentation saine, c'est un nombre d'entraînements qui soit suffisamment régulier, travailler principalement les abdominaux pour essayer un petit peu d'engager la ceinture abdominale pour la travailler et faire en sorte que le muscle, enfin le ventre, se solidifie entre guillemets. Mais l'alimentation, ça va être le numéro un. Ah ouais, c'est ouf. Mais d'ailleurs, en vrai, tu vois, moi, j'avais vraiment du bide pas mal, tu te rappelles, sur les premières séances. J'en ai perdu de ouf. Mais mec, je sais pas comment. Tu crois que c'est possible que j'arrive à genre zéro gras sur le ventre? Je peux y arriver? Non, zéro gras, ça n'existe pas. Moi-même, j'ai du gras. Le plus grand sportif au monde, le culturiste. Bon, on s'est compris. Mais oui, mais c'est pour rassurer les gens. Allô? Ouais. Tu m'entends? Ah, ok. Pour rassurer les gens, je t'entends. Que vous ayez un petit peu de gras, c'est normal. Mais après, oui, bien évidemment que vous pouvez atteindre un niveau de ventre plat total. Mais ça demande beaucoup plus d'efforts. Il faut savoir ce que vous voulez, en fait. Si vous voulez l'excellence, il faut atteindre l'excellence et être excellent dans la manière de son hygiène de vie. Donc, bien manger,
s'entraîner correctement. Il faut même peut-être voir le type d'aliments qu'on mange. Certains aliments, on est peut-être intolérant, d'autres nous font gonfler un petit peu. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'il faut régler les détails. Mais sans se prendre la tête non plus à aller tout calculer et tout vérifier, l'idée de base, elle est très simple. Entraînez-vous au moins 3 fois par semaine, mangez proprement, mais sur une longue période. Ne vous dites pas « Ah, j'ai bien mangé pendant 2 semaines, mais mon ventre plat n'apparaît pas ». C'est normal qu'il n'apparaîtra pas parce que vous n'êtes pas régulier sur la longueur. Attendez, il faut que ça prenne du temps. Et ensuite, vous verrez que ça fonctionnera. Là, ça fait quoi? Ça doit faire genre 8… Combien de fois 8… Attends. Genre 6 mois, 6, 7 mois. Là, ça va faire 7 mois presque pour nous, à Pinto, je crois. Bientôt, genre 6 mois, ou un peu plus entre les deux. Comme je t'ai dit, j'ai des résultats. Tu penses que quoi? Il faudra 2 ans pour un ventre plat complet? Non, moins de 2 ans. Non. À ton rythme, moins de 2 ans. Quand je te dis moins de 2 ans, on est entre 1 an et demi et 2 ans, tu vois. Mais tu peux l'atteindre dans 1 an, avoir le ventre plat et abdos totalement. Tu peux l'avoir dans 1 an. Ça ne tient qu'à toi. Ça ne tient qu'à toi. Mais il n'y a pas de personne qui soit plus défavorisée que d'autres. Alors oui, il y a encore une fois le fait que telle ou telle personne soit constituée de cette manière-là et l'autre est un physique plus avantageux. Il y a celui qui mange et d'un coup il prend et celui qui mange de la même façon et il ne prend pas. Bon bref, chacun cas par cas. Mais quoi qu'il arrive, ça, c'est totalement possible. Parce que mec, j'y crois. Moi, je me suis fixé. Sache que mes objectifs d'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en a pas reparlé parce qu'on n'a pas fait de vidéo. Enfin, on allait en faire une, mais il y a eu le confinement. Ouais. Mais mon objectif est plus du tout le même qu'au départ. Tu sais qu'au départ, l'objectif, c'était d'être en bonne santé, de retrouver la forme, l'énergie, de passer en dessous des 100 kilos et tout. Maintenant, j'ai un objectif très différent. Mon objectif, là, c'est genre d'aller chercher le corps que j'ai toujours voulu avoir. Donc, bien formé, bien musclé de A à Z, pas de ventre, des épaules, des pecs, un dos nickel et tout, avec une santé d'enfer, un cardio de ouf et des muscles. Vraiment, c'est vraiment ça l'objectif, tu vois. Ah oui, mais c'est très bien parce qu'au fait, les objectifs, ils évoluent dans le temps. Personne n'a les mêmes objectifs. Au début, tu avais des objectifs qui étaient la première marche, le premier palier, parce que tu ne savais pas que tu étais encore capable d'avoir le corps que tu aimerais avoir aujourd'hui. Mais donc, pour toi, c'était des objectifs très simples, être en bonne santé et puis pouvoir bouger tranquillement, quoi. Et ensuite, tu as vu que c'était possible, tu as vu de quoi tu étais capable et naturellement, sans même y réfléchir, au fait, tes objectifs, ils se modifient et tu as une perception qui est encore plus profonde et plus lointaine et tu te dis, ok, ça, je l'ai atteint, je ne vais pas m'arrêter là, et ben je vais faire encore plus. Donc, c'est normal, ça évolue, c'est très, très bien même, c'est ce qui te fait avancer. Hein. Chacun a des objectifs, hein. faut y réfléchir, se poser dessus et ne pas lâcher tant qu'on ne les a pas atteints. De toute façon, notre challenge, là, il dure 1 an. Donc, on a lancé ça en septembre. Donc, rendez-vous septembre 2021, évidemment. 21, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, ouais. Et bah, mais enfin, moi, je ne veux plus m'arrêter de ma vie entière, tu vois. Je ne veux plus jamais m'arrêter, tu vois. Ah, mais bien évidemment. De toute façon, le but du jeu, c'était ça. Hein. Moi, j'ai accepté ce deal entre guillemets, de transformation. Parce que je savais que peu importe que le challenge dure 6 mois ou 1 an, moi, mon but, c'était de tout simplement transformer la façon de faire de 2 personnes. Et je savais que une fois que vous alliez être piqué par le sport et piqué par cette nouvelle hygiène de vie, eh ben, vous alliez continuer, que je sois là ou pas. Moi, mon but, c'était ça, hein, c'est de mettre le pied à l'étrier de la personne et ensuite la sensibiliser à sa propre cause et de se dire, ok, bah, je suis capable de le faire, donc je vais continuer toute ma vie. Et tant mieux. Non, je tousse pas. Heureusement que merci en tout cas, Hakim, pour tout ça. C'était charmant. Il y a une autre petite question, petites astuces qui sont importantes, les trucs qui font mal pendant le sport. T'as une astuce pour les poignets? Dès qu'il y a des appuis, ça me fait mal. Les poignets, on parle bien des poignets, hein, pas des poignets. Ouais, je pense. Alors les poignets, c'est marrant parce que moi aussi j'ai une douleur récurrente au poignet droit. Après, sûrement pour des raisons différentes parce que je travaille avec beaucoup de charges et bref, mon poignet droit me fait mal. Est-ce qu'il y a des astuces au fait, en fonction du mouvement que tu fais? Il y a sûrement un positionnement de poignet ou entre guillemets un positionnement des mains à prendre pour éviter que tu aies mal, ou tout simplement quelque chose que tu ne fais pas très bien